que je te le tienne. Bon, écoutez, je suis très content ce soir donc, d'inaugurer la première fête des Lumières, l'illumination, donc à l'occasion de ce partenariat de la municipalité avec la MJC et puis la KGM. Donc, c'est un peu ce soir le coup d'envoi donc, des festivités de fin d'année. Bon, à la radio, à la télé, on parle souvent de Noël. Une bonne part de la fête réside dans sa préparation. Vous avez dû voir ces dernières semaines nos techniciens s'affairer pour installer les guirlandes, les mettre en place, les grands sapins, sans compter Noël ne serait pas Noël s'il n'y avait pas des sapins. Une partie du service technique a été mobilisée pendant 2 semaines. Et moi, je tiens à les remercier ce soir, notamment pour tout ce qu'ils ont fait. La sécurité et voilà. Cela peut paraître futile à certains. Mais une ville qui vit, c'est aussi cela. Et ce soir, vous êtes nombreux à attendre le lancement des illuminations. Et c'est le gage de la convivialité, malgré la crise sanitaire. Et on s'excuse, si vous voulez, pour le pass sanitaire qui n'était pas prévu au début. Mais on a eu des contraintes de la préfecture hier et encore aujourd'hui, où il y a des manifestations qui étaient prévues, notamment la Sainte-Barbe, qui sera vraiment réduite pour ce week-end. On dit que Noël, c'est la fête des enfants. Et je souhaite que tout le monde participe à la fête. Même ceux qui, au quotidien, trouvent que c'est difficile. Que ces lumières qui vont briller soient une intermède bénéfique. Le marché de Noël, ainsi que les cabanes de Noël, seront un temps fort de cette fin d'année. L'association des commerçants et artisans de vitrines et sacs contribuera également à la fête par des vitrines attractives et des animations telles que la semaine commerciale qui est débutée mercredi. Notamment, il y aura un feu d'artifice qui sera tiré vers 10-21h. Vous allez remarquer dans quelques instants, quand la lumière brillera, que certaines décorations ont été renouvelées. Des nouveaux motifs, la façade de la mairie sera illuminée dès la tombée de la nuit, des arbres ont été décorés sur l'avenue principale. Les nouveautés de cette année sont concentrées sur le Square de la Liberté, le Pont des Dorives, la Passerelle et le Quai des Bateliers. Une 20aine de sapins ont été mis en place un peu partout dans la ville, au sein des différents services communaux, ainsi qu'un arbre majestueux, naturel, de 10 mètres de haut, place Saint-Pierre. L'arbre artificiel du Square nous a été donné par notre fournisseur HTP, et donc entreprise de Guichin, et donc qui a été rénové entièrement par les services techniques. Mais comme vous le savez, nous sommes engagés dans une démarche environnementale et il faut la respecter. Toutes les décorations ne sont allumées que par des LED, moins gourmands en énergie. Nouveaux motifs à partir de bouteilles d'eau, récupérées, reconditionnées en 3D. Tout comme l'an dernier, les illuminations sont branchées sur l'éclairage public avec une programmation mise en place pour arrêter les différentes sources lumineuses entre 22h30 et 6h du matin. Pour la semaine et 0 et 6 heures du matin le week-end. Toutes les décorations sont recyclées et réutilisées d'une année sur l'autre sous une nouvelle forme. Donc je suis heureux maintenant qu'on va pouvoir procéder à cet allumage. C'est également le signal dont j'ai dit par les festivités de fin d'année. Et je vais laisser avant d'appuyer avec les 4 enfants des écoles, je vais laisser la parole à notre ami Alexandre Marie. Merci. En partenariat avec la mairie et la municipalité, donc sont heureux d'ouvrir cette première fête des Lumières. Juste pour l'organisation de cette soirée, donc le spectacle qui vous sera offert tout à l'heure par la MJC, on va vous demander d'aller accueillir le spectacle dans la rue de la Cidrerie, là-bas. Voilà, donc vous allez pouvoir l'accueillir parce qu'il y aura une partie en déambulation dans la partie de la rue, et après il y aura un final ici en fixe, ici même sur le soir. Donc vous allez pouvoir les suivre. Donc une fois les illuminations lancées, vous allez pouvoir aller vous diriger dans la rue au fond du soir pour accueillir le spectacle. En attendant, donc, on va vous proposer de faire le décompte pour allumer les lumières de Noël avec les enfants. Donc on va partir de 10.
jusqu'à zéro et vous allez voir tout va s'aligner sur le score. On y va tous ensemble? Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je pense qu'on peut vraiment applaudir l'ensemble des services techniques de la ville pour la réalisation de ces illuminations de Noël.